Le mange est à Allah et que Allah élève les degrés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La prière du vendredi al-Jumu'ah est une obligation personnelle, ça veut dire fardu ayn, pour les hommes musulmans, libres, pubères, sains d'esprit, résidents, et qui n'ont pas d'excuses valables pour s'en abstenir. S'ils sont au minimum 40 habitants établis à vie, vivant dans des constructions. S'ils sont moins que 40 ou s'ils vivent dans des tentes, la prière du vendredi ne leur est pas obligatoire là où ils se trouvent. On compte parmi les excuses légales le cas où le musulman est atteint d'une forte maladie et qu'il lui est très difficile de se rendre sur le lieu de la prière du vendredi. La prière du vendredi est constituée de deux rak'ahs à voix haute en remplacement de la prière du dhuhr. Il est une condition, premièrement, qu'elle soit accomplie après le commencement du temps du dhuhr. Deuxièmement, qu'elle soit précédée par deux discours khutba donnés après le commencement du temps du dhuhr et entendus par les 40 résidents à vie mustawtinim. Troisièmement, qu'elle soit effectuée en assemblée avec les 40 résidents à vie. S'ils deviennent moins que 40, comme par exemple si quelques-uns partent après avoir entendu les discours, ils n'accomplissent pas la Jumu'ah, mais ils accomplissent le Dhuhr. Quatrièmement, qu'elle soit tenue en un seul lieu, dans une même ville, sauf si le rassemblement des gens y est difficile. Dans ce cas-là, la multiplication des assemblées est valable autant que nécessaire. Ensuite, les piliers des deux discours sont premièrement, louer Allah en disant par exemple « Alhamdulillah ». Celui qui prononce les discours dit ce pilier dans chacun des deux discours. Deuxièmement, l'invocation en faveur du prophète en disant par exemple « Allahumma salli ala Muhammad ». Celui qui prononce les discours dit ce pilier dans chacun des deux discours. Troisièmement, la recommandation de la piété, at-taqwa, comme en disant Usikum bitaqwallah, ce qui signifie je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah. Celui qui prononce les discours dit ce pilier dans chacun des deux discours. Quatrièmement, réciter une ayah ayant un sens complet dans l'un des deux discours, même si elle est courte, comme par exemple Qul huwallahu ahad, ce qui signifie dit, lui, Allah, est unique. La meilleure manière, c'est de la citer dans le premier discours. Cinquièmement, dire une invocation en faveur des croyants dans le deuxième discours. Celui qui rate la prière du vendredi prie le dhuhr, car la prière du vendredi ne se rattrape pas en tant que prière du vendredi. Je finis en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder sa miséricorde et d'augmenter notre connaissance. Que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine.